نتفق على فيك كما قلنا في التقديم باش نحكيوا على انيشياتيف نتاع لوام افريكا لوام الاولمبيك دو مارسيل ايكيب يحبوها برشا توانسة يتبعوها في الافريك دو نور في شمال افريقيا ويتبعوها زادة في القاره الافريقيه جنوب الصحراء وانيشياتيف لوام افريكا ومعانا الان دي بارتنير نتاع الانيشياتيف هذيا اللي هما ابيو وفرحانين باستقبال نيكولا بومبينيو مونيار هو رئيس ابيو جروب باش نفهموا شنو هي ابيو جروب وباش نفهموا شنو هو العلاقه ما بين ابيو جروب واللوام افريكا نيكولا بومبينيو مونيار بونجور اي ميرسي دافوار اكسبتي نوت انفيتاسيون دون دون نوت ايميسيون كاب سور لافريك تي بوكو بور اوتري بيان ميرسي ماري شوت تري هوري تري فيك Merci beaucoup Nicolas. Tout d'abord, avant de parler un petit peu de cette initiative et de ce partenariat APIO avec l'Olympique de Marseille, et je viens de dire en intro que l'Olympique de Marseille c'est une équipe très suivie en Tunisie, en Afrique du Nord, mais bien évidemment aussi en Afrique subsaharienne. Si on présentait peut-être avant, c'est qui APIO Group ? APIO Group, c'est le leader panafricain des relations publiques et de la distribution de communiqués de presse. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui, à l'échelon de l'ensemble du continent, de 54 pays, fournit des services de relations publiques. Nous organisons des conférences de presse, nous publions des interviews, des éditoriaux, etc., etc. Et nous diffusons aussi des communiqués de presse, et tout ceci à l'échelon continent africain. Nous sommes les seuls à être panafricains, opérés dans les 54 pays du continent. Ouais. Nous avons 300 clients, majorité de multinationales. Et puis, nous sommes très impliqués dans le sport, puisque nous sommes l'agence de relations publiques panafricaine, une fois de plus, de la NBA, de la Basketball Africa League, de l'association africaine de World Rugby, Rugby Afrique, et donc l'organisme qui gère le rugby sur le continent africain. Nous sommes aussi l'un des sponsors officiels de Team QBK Next Cash, qui est la seule équipe africaine de cyclisme qui, comme vous le savez peut-être, vient de placer pour la première fois un cycliste africain sur le Tour de France. Absolument, oui. Et puis nous sommes le partenaire officiel, partenaire stratégique de Getty Images en Afrique. Et vous savez, Getty Images est très impliqué dans l'imagerie sportive. Ah ben c'est très bien, donc on a bien compris un petit peu, il y a un intérêt particulier pour le sport, pour APIO. Comment c'est venu cet intérêt d'ailleurs pour le sport ? Écoutez, moi je suis propriétaire de mon entreprise, je l'ai créée il y a 15 ans et je détiens toujours 100% des parts de mon entreprise. Ouais. Et vous savez, quand l'entreprise se développe et on commence à faire faire du business, l'argent commence à rentrer de plus en plus, etc., on se pose la question de savoir, il n'y a pas que le business dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre service au continent, participer au développement du continent. Et c'est une question qui est très complexe parce que, sur quel sujet est-ce qu'on se concentre? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que si on fait l'éducation, on peut pas, on focus, si on concentre ses ressources sur l'éducation, peut-être ce serait mieux de les concentrer sur la santé. Après, il y a on focus sur l'éducation, très bien, mais s'il n'y a pas d'électricité et que donc les gamins ne peuvent pas éclairer, faire leurs devoirs, ils n'ont pas de lumière, c'est un problème. Donc ça veut dire peut-être se concentrer sur l'énergie. Enfin, donc c'est très complexe de trouver le point sur lequel, en tant qu'entreprise, on souhaite focaliser ses efforts. Et nous avons, en 2015, 16, 17, beaucoup réfléchi à cela, et nous avons considéré, identifié que le sport, c'était le développement par le sport, en anglais sport for development, c'était l'angle que nous souhaitions, sur lequel nous souhaitions nous concentrer. Donc dès novembre 2017, nous sommes devenus le principal partenaire officiel de Rugby Afrique, et donc l'organisation qui gère tout le rugby sur le continent africain. Et puis ensuite, nous avons signé des partenariats, donc soit des fédérations sportives ou des entreprises, puisque la NBA est une entreprise, qui sont devenus des clients d'Apple Group, soit nous sommes devenus, nous, sponsors de certaines fédérations, de certaines organisations qui participent au développement du continent à travers le sport. Très bien, revenons maintenant un petit peu, c'est tout à fait normal, à cette initiative-là de l'OM Africa et le partenariat avec APIO. C'est quoi cette initiative? Écoutez, OM Africa, c'est une initiative qui rentre parfaitement dans le cadre de ce que je viens d'expliquer. L'OM, tout le monde connaît, l'Olympique de Marseille, tout le monde connaît, les liens de l'Olympique de Marseille avec le continent africain. Non seulement de très nombreux joueurs africains qui ont fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille, mais aussi Marseille, qui est une ville qui a des liens particuliers, très, très,
important avec le continent africain. Et donc, l'équipe dirigeante de l'équipe de Marseille, donc le club dans son ensemble, a décidé qu'il allait intégrer dans sa stratégie oui. de développement international le fait que l'Afrique serait en fait son seul continent de développement international. C'est-à-dire que certains clubs considèrent que bon, ben, ils font un peu en Russie, un peu en Amérique latine, un peu au Royaume-Uni, etc. L'OM a considéré que toutes leurs ressources seraient focalisées sur le continent africain. Ils considèrent que le plus important pour eux, c'est le continent africain. Et donc, ils ont créé cette initiative qui s'appelle OM Africa et qui vise à ben, notamment établir des écoles OM, des OM School à travers le continent, des OM Academy qui visent aussi à lancer toute une série d'initiatives qui permettent aux fans à travers l'Afrique et notamment en Tunisie d'avoir l'opportunité d'interagir plus directement avec, avec les joueurs, avec le club, d'avoir accès à plus d'informations. Et donc évidemment, naturellement, comme vous le savez, l'initiative OM Africa a été annoncée quelques mois avant le Covid, donc oui. tout a été un peu mis en pause. Mmh. Et dans les mois qui viennent, les activités vont reprendre. On espère en tout cas que le Covid va se calmer et qu'on pourra voir à quel point cette initiative OM Africa va pouvoir se développer et encore une nouvelle fois renforcer les liens entre l'Afrique et l'Olympique de Marseille. Donc nous, oui. ce sont des initiatives qui nous correspondent parfaitement. Parce que c'est un club européen qui dépense du temps, de l'énergie, de l'argent pour participer au développement du continent africain. Et donc, nous avons souhaité les rencontrer, nous avons discuté, nous avons constaté que nos visions étaient parfaitement alignées. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons signé il y a quelques jours à Marseille un accord de partenariat pluriannuel qui fait d'APO Group le partenaire officiel du programme Afrique de l'Olympique de Marseille, donc OM Africa. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de perspectives. Excellent, excellent. Je confirme parce que dans le communiqué de presse, d'ailleurs il est sorti de la bio, les écoles vont être au début en Algérie, en Tunisie et au Nigeria. Nicolas Pompine Moniard, fondateur et président d'APO Group, merci beaucoup pour toutes ces informations et bon vent pour cette belle initiative. Merci beaucoup, à très bientôt. هذه هي دونك كانت مبادرة OM أفريكا اللي باش يحلوا ديز أكاديمي دو فوتبول باش تبدا في تونس في الجزائر وفي نيجيريا تو سويت توا باش نتعداو كاب أفريكولتور ولكن قبل ما نعديو بتاتو جينجال عن الغنية سبيسيال في الكاب أفريكولتور هلا جوستومون كيما قلت قبيلة اليوم باش نحكيو على دندري إسطنبيلي موفمنت بعد شوية باش يكون حاضر معنا بالتليفون الفونداتور نتاع الجروب محمد الخشناوي أما قبل هيت نكتشفوا النوبة الثانية من الألبوم الجديد نتاعهم بوغي Donc, c'est une nouvelle Baba Gileni ou bien de Shoya Cap sur l'Afrique culture.